Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live, mardi 21 mars 2023. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Justin, bonjour tout le monde. Nous sommes là encore pour discuter certaines questions d'actualité. Maintenant là, oui, l'actualité reste dominée. Tout de suite là, on va décrypter ce qui se passe à Kibumba, Rumangabo sur cette ligne. C'est quoi l'information que vous avez, Georges, que vous avez appris cet après-midi? En fait, l'information que nous venons d'apprendre ce matin est que nos forces d'autodéfense avec les FADC venaient de donner encore la mort au criminel DM23. Apprenant la localité de Rugari, ils séparaient la force de criminels en deux, en s'interposant entre les trousseaux qui va de Kibumba jusqu'à Rumangabo. Et au milieu ici, il y a le village qu'on appelle Rugari. C'est de là que se passent les opérations à l'heure où nous sommes. C'est là qu'il y a des affrontements. Et sur ce sûr, nos FADC avec les autodéfenseurs venaient d'infliger encore des gifles militaires aux criminels en les donnant la mort. Comme ils ne veulent pas comprendre, il faut toujours les éduquer par la mort parce qu'ils ont voulu venir chercher la mort en RDC. Voilà nos forces qui venaient de s'interposer pour dire qu'il y a déjà une coupure de communication. Parce que dans les rangs des criminels, bien sûr. C'est-à-dire, il y a une petite frange de M23 du côté de Kibumba, près des antennes, et une autre force vers après Rumangabo. Et au milieu ici, ce sont nos forces qui se sont interposées, et il y a renfort à venir toujours par le parc de Virunga. C'est le village de Rugari était village riverain avec le parc de Virunga. C'est-à-dire, nos forces sont venues par le parc et attaquer, couper court à ces deux forces qui pesaient, à cette force de criminels qui pesaient réellement sur la ville de Goma. Parce qu'ils étaient en train de s'entasser à grand nombre pour vouloir faire un assaut sur la ville de Goma. Voilà la technique de guerre que nos forces ont utilisée pour essayer de disperser cette force et d'anéantir cette accumulation de forces de l'ennemi. C'est ça que nous avons appris. Qui contrôlait Kibumba entre les AC et FARDC M23? D'abord, Kibumba n'a jamais été libéré par les M23. C'était une mascarade, un scénario qu'ils avaient monté car on disait que les M23 devaient se retirer de Kibumba et laisser la place à l'AC. Malheureusement, ils n'ont pas fait ça parce que même à l'heure où nous sommes, une petite partie qui reste là, Kibumba, là on appelle les Bouhumba, ce sont les M23 qui sont là. Voilà, voilà la précision. Mais ils n'ont jamais quitté, ces gens-là n'ont jamais réellement quitté Kibumba. Et maintenant, voilà, on venait de les infliger cette technique tactique où il fallait s'interposer et diminuer cette force, cette menace qui pesait sur la ville de Goma. Mais bon, malheureusement, peut-être pour nous, Kibumba, là où il reste, c'est la frontière avec le Rwanda. Il n'y a même pas un kilomètre. Donc, c'est presque une localité qui est coincée dans la frontière avec le Rwanda. Et voilà, peut-être là où ils peuvent encore trouver la force ou peut-être le ravitaillement de vouloir venir renforcer cette force qui se trouve à Kibumba. Parce que le village de Kibumba, avec le Rwanda,
c'est presque une même contrée, la même culture et la même langue. Voilà ce qu'il y a à préciser. Maintenant, moi, oui. Ma recommandation serait qu'il faut qu'il y ait une force, une autre force qui viendrait de Goma pour maintenant anéantir et coincer cette force-là et automatiquement occuper les petits postes frontaliers de Kibumba. Parce qu'il y a une petite douane qui se sont toujours servies pour entrer à Kibumba. Voilà une précision. Maintenant, à l'heure où on réalise cet entretien, qui contrôle cette route-là? Parce qu'il y a des sources locales qui nous parlent que la route a été coupée, il n'y a plus de communication entre les rebelles qui seraient à Kibumba et ceux qui sont à Rumangabo. Qui contrôle maintenant cet axe? Je le répète, l'axe est déjà entrecoupé, c'est-à-dire de Kibumba jusqu'à Rumangabo. C'est-à-dire une partie qui a été intercoupée. Cette partie donc de Kibumba, donc d'après Kibumba, après la petite cité de Kibumba, jusqu'à l'entrée de Rumangabo, cette partie, à l'heure où je vous parle, est contrôlée par nos FRDC. FRDC, pas même les Wazalendo. Donc disons accompagné avec les Wazalendo, c'est automatique. Et cette partie qui est entrecoupée donc de Kibumba jusqu'à Rumangabo, il y a un autre village qu'on appelle Rugari. Oui. Rugari, la paroisse, la première paroisse du Nord Kivu, paroisse catholique. Quoi. La première paroisse, qu'on peut appeler première paroisse là, historiquement, dans l'église catholique de diocèse de Goma, ça c'est la toute première paroisse qui se trouve à Rugari. Oui. Donc actuellement, Rugari est entre nos mains. Les mains des autodéfenseurs. Ah, c'est ça nous. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Maintenant, comment comprendre cette motivation-là? La détermination de ces jeunes. En fait, je comprends, je l'ai même encore dit hier, que notre armée est en train de prendre la puissance. Vous voyez qu'il y a déjà cette technique-là, ça on appelle technique de guerre, c'est-à-dire un plan de guerre qu'on a établi pour vouloir anéantir cette force du criminel et l'anéantir. Parce que quand déjà on prend cette partie et couper la communication entre les deux petites forces, c'est infliger, c'est-à-dire c'est diminuer même la force de l'ennemi. Et peut-être là où il voulait peut-être se constituer à force pour faire une nation à Goma, il ne peut plus le faire. Mais aussi, il y a une autre formation, bien sûr une formation encore, je dirais peut-être informelle, qui est à nous qui sommes du milieu, que nos forces d'autodéfense se trouveraient déjà à 6 km de Bunagana, dans les Busanza. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, ça ce sont nos informations, mais bon, malheureusement que je viens de livrer sur le micro, mais ce sont des informations, je dirais, des informations informelles, des informations non officielles, mais que nous détenons toujours dans nos archives. C'est-à-dire, nos forces d'autodéfense, ils sont à près 6 km de Bunagana, et on apprendrait qu'il y a même certaines fuites de certains officiers des criminels parce qu'ils ont peur de cette force des autodéfenseurs accompagnés de nos FRDC. C'est-à-dire il y a déjà un plan de guerre bien établi et un jour où on se lèvera le matin, quand tout routour est déjà repris. Mais je comprends un peu. Est-ce que les forces d'autodéfense, elles ne sont pas concernées par Luanda et Nairobi? Et pourtant, on sait que Luanda exige un cessez-le-feu, il faut le préciser. Je rappelle, toutes les forces, tous les groupes armés sont concernés par Nairobi. Oui. D'ailleurs, nous avons déjà appris qu'on est en train de préparer un autre Nairobi. Oui. Un autre Nairobi qui est en train de se préparer. Toutes ces forces sont concernées. Mais ils se sont dit ceci, pour la Nairobi 3, ils se sont dit, nous ne pouvons pas quand même aller nous faire désarmer et déposer les armes quand le pays est agressé par le Rwanda. Allons d'abord sauver
l'intégrité territoriale, et puis après nous allons revenir à Nairobi. Voilà pourquoi ils sont sur le front. Et c'est vrai, ce qui les a amenés dans la forêt, ce qui les a amenés à prendre les armes dans la forêt, c'était de protéger l'intégrité territoriale. C'est pourquoi aujourd'hui, chose réellement, je dirais, justifiée, qu'ils doivent d'abord défendre Mabele et Mboka. Et avant de retourner à Nairobi, ils doivent d'abord défendre la terre de nos ancêtres qui nous a été léguée par nos aïeux. Et personne n'a le droit d'accéder même un millimètre. C'est pourquoi ils sont là. Bien sûr, quand ils vont terminer avec l'M23, ils vont retourner à Nairobi. Et voilà. Dire le cesser le fait. Je ne sais pas qui a toujours été à l'origine de quoi. Vous savez très bien que les criminels M23 n'ont jamais respecté le cessez-le-feu. Depuis même l'origine du cessez-le-feu, à partir de Nairobi, à partir de Luanda, de Bujumbura et partout, même à Addis Abeba, ils n'ont jamais été au rendez-vous. Ce ne sont pas les Oiseaux ou alors les femmes de ceux qui violent le cessez-le-feu. Par contre, ils ripostent. Ils se défendent quand ils sont attaqués. Et même aujourd'hui, ils ont riposté parce que ces gens-là étaient en pleine préparation pour faire un assaut musculaire sur la ville de Goma. Et voilà la précision qu'on doit donner à tous nos internautes. Mais une autre précision qu'il faut apporter à ceux qui nous lisent, à ceux qui ne sont pas peut-être de Goma ou de la province, qui suivent les mots Azalendo, qui suivent les mots autodéfense, qui suivent les mots patriotes, qui suivent. Oui. Qui sont ces gens? Qui est Muzalendo et qui ne l'est pas? Qui est autodéfenseur et qui ne l'est pas dans cette guerre, Georges? D'abord, un Muzalendo, un autodéfenseur, un groupe armé d'origine congolo-congolaise, c'est tous ces affaires-là, c'est tous ces jeunes garçons-là, c'est toutes ces jeunes filles-là qui se sont donné le courage de dire non à l'ennemi à l'étranger, de dire non à l'envahisseur, de dire non à l'humiliation des étrangers. C'est ça le Muzalendo ou un autodéfenseur? C'est celui-là le Muzalendo. Il s'est dit, alors il prend le courage. Il dit non. Trop c'est trop. Et l'armée, on joue avec nos forces de FRDC, on infiltre nos forces de FRDC, et nos mamans sont violées par les étrangers, et nos pères sont tués, et nos banques sont braquées. Et ça se dit, ah, il faut quand même se constituer à un groupe là, à un originaire là qui dit, vraiment, moi je n'ai pas quand même accepté tous les jours l'humiliation. Et alors comme solution, il faut prendre les armes. Ils se sont dit, vraiment trop, c'est trop. Nous devons protéger d'abord, surtout, la grande chose qui leur avait amené au champ. C'est là que moi je connais, bon, je dis que c'est là ma compréhension. Parce que je connais plusieurs, je connais les gens comme Javier, je connais les gens comme Kabido, je connais les Cheka. Cheka, lui, bon, il a. Guido, on parle de Guido. Guido, pas Cheka. Cheka, lui, a fait des aventures, là, autre. Il a amené même année à prison. Je connais les gens comme Yakutumba. Ce sont des garçons, ce sont des Congolais, mais qui n'ont pas accepté l'humiliation des étrangers, surtout les étrangers ougandais et rwandais. Mais et vous savez, nous, on parle lentement. Oui. Il faut que les gens comprennent bien ce sujet. C'est très intéressant. Muzalendo, autodéfenseur, c'est ça? Oui, oui. Muzalendo, si c'est un mot swahili. D'accord, on comprend bien. Donc, qui signifie en français? En français, qui signifie un autochtone? Ah. Donc, Muzalendo signifie un autochtone. En d'autres termes, un originaire du milieu. Au mot congolais, on peut parler patriote.
Non. Parce qu'il défend son pays. Non, un patriote, c'est tout le monde. Même parmi nous, il y a des patriotes. D'accord. Donc, donc les patriotes, c'est toute personne un autochtone qui défend les intérêts de sa patrie. D'accord. Alors, les Mousalendo, c'est plus que patriote. D'accord. Donc, il est d'abord patriote et puis il extrême vers les sacrifices. D'accord, on comprend bien. Oui. Et est-ce qu'il y a une différence entre Mousalendo, autochtone et Mai Mai? Alors, les Mousalendo, tous ces groupes armés, il y en a qui sont appelés des Mai Mai. Il y en a qui sont appelés, je ne sais pas, on prend par exemple les NDC. Il y en a ceux qui sont appelés des Spakirikicho. Alors, le mot Mai Mai, on s'était habillé le mot Mai Mai parce que c'est un mot qui date de Pierre Mulele Mai. Ça signifie quoi? Pierre Mulele Mai. Et qui est Pierre Mulele? Oui. C'est celui-là qui avait défendu et qui avait réellement réclamé pourquoi la mort de Lumumba. Et il a pris les armes contre ces gens qui ont tué Lumumba. Et il s'est vêtu d'un esprit de vengeance. Alors, comme tous nos autochtones, nos autodéfenseurs d'ici à l'Est ont pris revanche. Ils ont pris une vengeance pour la terre qui semble être envahie. On les appelle des Mai Mai. Donc, les Mai qui viendraient, qui tireraient ses origines des Mulele Mai. D'accord, on parle en Mai. Au nord Kivu, à Goma, quand on parle de Mai Mai, on voit un immortel. Est-ce que c'est vrai? D'abord, c'est faux. Parce qu'on parle quand on est Mai Mai, d'abord, on ne peut c'est pas faux. Mourir, même si on tire sur vous les barres, ça ne peut pas pénétrer. D'abord, est-ce c'est que faux. C'est vrai? C'est faux. C'est faux. Comment ils fonctionnent? Ces gens-là, j'ai dit, c'est ça. Ils ont un esprit qu'on appelle un esprit de vengeance. Ils ont des Donc, un extrême esprit. Ils disent non. Vous savez, même quand quelqu'un est très, très fâché à l'extrémité, il ne crée même pas l'arme. Même vous, Justin, si quelqu'un venait, il arrive chez vous, vous trouvez qu'il a tué votre femme, il a tué vos enfants, il a même tiré sur vos télévisions et vous les trouvez dans votre maison. Vous n'allez pas voir cette arme qu'il porte. Vous n'allez pas avoir peur de cette arme. Non, par contre, vous risquez même de prendre cette arme par la main et commencer maintenant à tirer. C'est ça l'esprit d'accord. de Mai Mai. Donc l'esprit, il a été très en colère à cause de cette humiliation étrangère. Et puis il s'est vêtu un esprit là de ne pas craindre qui que ce soit. Même si on tire. Donc, et quand on vient au tir, il ne meurt pas. Il vient avec cet esprit de colère. Peut-être que Dieu parle à lui là-bas et la il balle, poste les devant les balles. Okay, peut-être d'accord. que même les balles vont aller à côté. Parce que bon, d'abord, il vient avec l'esprit d'abord qui est sacré. Merci, parce Joël. Qu'il vient, il est en train de revendiquer son droit. Ça, c'est purement pédagogique. Oui. Alors, la différence entre Mai Mai et... Il y a un terme qui m'échappe là. Il faut que ça vienne. Il y a les Mai Mai, les Mousalendo, oui, il y a. Bon. Est-ce qu'il y a une différence entre les Mai Mai et les marabouts? En fait, tout d'abord, automatiquement, oui. Un marabout. D'abord, un marabout, c'est un trompeur, c'est un féticheur, c'est quelqu'un qui joue sur l'esprit des faibles. Et il est marabout. C'est un magicien quoi. Mais un Mai Mai, c'est quelqu'un qui a un esprit de vengeance. Parce qu'il a été taquiné, il a été provoqué et il est en train de venger la terre de ses ancêtres. Et maintenant, quand il prend, il est en train de se vêtir l'esprit de ses ancêtres pour revendiquer les droits de ses ancêtres et il peut même revendiquer jusqu'à ne plus même craindre les balles. Et à ce moment-là, vous le trouverez, il vient vous tirer même sur lui, dit bon, même si je vais mourir sur le front, tant mieux mourir que d'être humilié.
Et vous les trouvez maintenant comme Dieu, c'est un Dieu de protection. Il les protège devant même l'ennemi. Alors, j'en parle lentement. Il y a des gens qui veulent comprendre vraiment ce qui se passe. Oui. Est-ce que le maï-maï ou des gris-gris? Je ne passe pas. Parce que moi, je n'ai jamais vu. Bon, tout d'abord, je n'ai jamais joué ce jeu-là. C'est pas la présidence qui a fait. Non. Ah, est-ce qu'il est maï-maï ou des gris-gris? Je n'ai jamais joué ce jeu-là. Est-ce que mais c'est là que je connais oui. ces frères maï-maï. Hein. Ils n'ont pas de gris-gris. Ah. Mais ils ont un esprit. Un esprit, je dirais un esprit sacré. Donc être maï-maï, un esprit. C'est comme... Des ancêtres, un état d'esprit. Je le répète, un esprit des ancêtres qui leur parle que votre terre ne peut pas être désacralisée à votre présence. Mais dire qu'ils ont des gris-gris, ils ont peut-être des amulettes pour garder, puis non, les amulettes, non, ils n'ont pas d'amulettes. Ah, non. Mais parfois ils disent, il y a les gens qu'on fait, je ne sais pas. Des tatouages. Ah oui. Non, bon, plus, même j'ai toujours vu les joueurs être tatoués. Est-ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'ils peuvent aussi résister? Non. Même moi, Georges. Vous êtes maï-maï. Si vous veniez avec une lame de rasoir, vous me tatouez quelque part, je serais directement maï-maï. Non. Il faut d'abord qu'il y ait l'esprit. Vous avez un esprit aussi patriotique. Effectivement. Vous êtes maï-maï. Non. Non, non. Vous mais je suis patriote. Je le répète, un patriote, tout Mousalendo, tout maï-maï, c'est d'abord un patriote. Mais il excède le patriotisme parce qu'il va même jusqu'au sacrifice suprême. Alors, on va finir par cette question. Oui. Est-ce que les maï-maï, ça s'apprend? Et si oui, comment faire pour devenir maï-maï? Non. Parce qu'on a besoin de défendre tous ces pays. Devenir maï-maï, oui. Bon, moi je ne l'ai jamais été. Dites-nous des secrets. Moi, je ne connais même pas des secrets de maï-maï. Je ne saurais vraiment pas vous répondre avec précision. Oui, mais je sais très bien qu'il y a des groupes de ces gens-là qui se disent vraiment non, oui. les affaires. Oui. D'ailleurs, bon, par exemple, ce matin, je venais d'apprendre que à Cavignon, là où les ADF ont tué les gens, la population s'est vengée. Ils ont pris des lances, ils ont pris des couteaux, ils ont pris des machettes. Ils se sont dirigés dans la forêt pour à la recherche des ADF. Vous voyez cet esprit-là? Et par... On finit par... Par esprit de Dieu qui a été vexé en eux, ils ont mis la main sur les ADF. D'accord. Ah, pourtant, les ADF ont des armes. Les maï-maï, voilà. autodéfenseurs, oui. ce sont des humains comme nous. Effectivement. Et ils mangent tout ce que nous pouvons manger. Ce sont des Congolais. Ils peuvent manger tout. Ils sont. D'ailleurs, ce sont nous. Ah. Donc, sont les Congolais. Moi, je suis Congolais. Sont des Congolais. Quand je vous dis, par exemple, il y a un certain Javier Caraïr. Mais il est monde d'ici à côté. C'est un garçon de Goma, on le connaît. Il n'a pas des histoires qu'il ne peut pas faire. Non, je ne passe pas. C'est un ordinaire, mais lui, il a pris la décision de défendre sa patrie par la vengeance. D'accord, merci oui. Georges. Je sais ici, on a réalisé cet entretien en direct de la permanence de l'île de Peste, très suivi par certains, il faut dire combattants ou défenseurs. Ce sont des combattants. Nous avons fait un combat. Je vais poser ma question devant, je vais tourner un peu ma caméra. Je vais poser la question aux amis qui sont ici. C'est qui veulent devenir maï-maï? Comme ça on va les envoyer auprès de vous, allez les orienter. Il y a combien qui veulent devenir maï-maï ici les amis? Il n'y a personne qui veut devenir maï-maï. Il y a quelqu'un qui voit bien. 1, 2, 3, 4, 5, 7 seulement. Oui. Les autres veulent devenir qui est des combattants de l'IDPS. Ah. Oui. En fait, vous savez, cette gymnastique que vous venez de faire, ouais. c'est aussi bien. Mais j'ai dit, un maï-maï, parce que parmi les maï-maï aussi, il y a des faux et des vrais.
Ça, il faut aussi les signaler. Je vais organiser une émission là, oui, spéciale uniquement pour comprendre. Oui, cette il y a des faux et des vrais. On veut savoir est-ce que les maïmaï opèrent comment, quand, avec quoi, est-ce qu'ils peuvent aussi prendre les femmes. Tout ça, on va comprendre. Ils ont des femmes et des enfants. Ça, on va comprendre, je... Mais comment? Ils ont des femmes et des enfants. Ils ont des femmes et des enfants. Ils peuvent aussi dans des véhicules, motos. Effectivement, ils viennent même sur des motos. Merci, Georges. Il y en a qui ont des motos. Mais des femmes aussi. Ce sont des hommes ordinaires, mais qui ont pris l'option des vagins. Donc, c'est ce du non. Merci. La patrie ne peut pas se périr merci comme ça. Merci d'avoir répondu à ces questions. Il reviendra prochainement. Si les gens veulent avoir assez de détails, de lumière, de précisions approfondies par rapport à ce sujet, ils vont te contacter sur ton numéro, Georges. Les zéros combien? Vous voulez que je donne mon numéro? S'ils veulent qu'on revienne prochainement pour qu'on on parle de ce sujet, ils peuvent solliciter une émission prochainement avec vous. Oui. Comme ça, on les fera. Zéro combien? Bon, 09 79 27 31 68. Merci, mesdames et messieurs, fait de cet entretien. Merci de nous avoir regardé. Prochain rendez-vous demain. Bye bye. Oui, bye. Merci au Wazalendo.